Ouais, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Ça peut permettre, de rencontrer les gens, discuter un peu, connaître un peu mieux ses voisins, quoi. Alors, moule marinière avec l'apéro, et après merguez, saucisse, andouillette, et après fromage. Voilà. À peine pas de points à faire. Ça va. Il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes de France et nous passons une très belle journée. Voilà, c'est tout. Ce soir. Tu vas voir ce soir. Amel. Où ça? À Maritime Musique. Qui ce soir où ça? À quelle ville? À Maritime. À Foz. À Foz. Qui tu vas voir ce soir? Mike Procura. Et puis? Amel Ben. Voilà. Et on est où ici? À Foz. Ah, t'es content que ça se passe à Foz? Ah oui. Tu voudrais que ça soit comme ça tous les jours? Ouais. Un vrai te rôle? Oui. Oh, maman rappelle bête. Justement, l'initiative de ce soir, c'est quoi? Ah, c'est génial. Ah, franchement, c'est super. C'est bien pour la de façon bien. Ça met un peu de pète. Donc, c'est quand même un concert, première fois que ça passe. Tout à fait. C'est l'occasion de profiter d'un autre stade aussi, pour les femmes, parce que les hommes, toujours les hommes dans les stades, un peu de femmes.
De la patrie sont morts pour que nous puissions aujourd'hui penser et vivre librement. Thank you.
femmes, puissant notre chasse autorisée, ne soit pas située sous les bras de village par rapport à cette installation. Merdez, vous nous avez du sang, vous nous avez du sang. C'est pollué, c'est pas un générateur de plus qui va nous gêner. Moi, je suis venu ici à 50 ans pour le soleil. Le résultat, qu'est-ce qu'on récolte? Alors, il y a une chose que je vous dis. Je vais avoir 80 ans. Mais seulement, quand si vous décidez à faire ce que vous voulez faire, je vous jure que je mourrai, mais ça sera pas fait. Et je ne suis pas le seul, hein. Alors attention ce qui va se passer, parce que vous comptez de le terminer dans 4 ans, moi je vous dis dans 40 ans il ne sera pas fait. Ce soir, en France, dans le pays des droits de l'homme, dans une démocratie qui semblerait être aboutie, avec un président de la République qui nous a sorti une loi sur la démocratie, combien faut-il de signatures, combien faut-il de pétitions dans une ville de 15 000 habitants pour qu'on respecte cette démocratie, pour qu'on respecte enfin le choix d'abord des habitants. Ensuite, dans un pays qui a voulu la décentralisation, dans un pays qui élit aujourd'hui des élus qui sont là pour représenter les habitants, dans ce pays de cette démocratie, quand est-ce qu'on laissera le choix aux populations, aux élus, de dire ce qu'ils vont faire sur leur territoire, sur leur ville? Je sais que M. Assante dit que le territoire du port autonome, ça ne nous appartient pas. Eh bien, M. Assante, le territoire du port autonome, pour 7000 hectares, se situe sur la commune de Fos. La commune de Fos, c'est une collectivité de 15 000 habitants, représentée par des élus, représentée par un maire, qui prétend effectivement pouvoir choisir ce qu'il peut implanter ou ne pas implanter sur son territoire. Alors, non à l'incinérateur de la CU, non à l'incinérateur de Suez, non aux autres incinérateurs, et non à des unités ces maisons qui pourraient s'installer à Fos. Et ça sera la décision, dans les jours qui viennent, des élus de Fos, que ce soit sur le territoire du port autonome ou ailleurs. Encadré d'usines chimiques et de raffineries, ce terrain est sélectionné pour la construction d'incinérateurs des ordures ménagères de Marseille. Un projet soutenu par Jean-Claude Gaudin, mais totalement rejeté par les élus locaux et les habitants qui craignent les émanations de dioxines. Il protestait contre la construction. Merci. Vous n'avez pas le droit.
cette République, pourquoi le maire de Marseille a plus de pouvoir que les autres maires? Je me demande vraiment dans quelle République nous sommes aujourd'hui, puisque un maire peut envoyer la troupe comme d'autres contre maire, c'est inadmissible, inadmissible. Vous irez jusqu'au bout donc? Mais bien entendu, le processus est engagé. Vous ne croyez pas que c'est une manifestation qui me fait reculer, non? Que nous avons, cette partie du territoire, déjà beaucoup donné, en prenant nos responsabilités et en proposant de pouvoir accueillir et traiter sur notre territoire une partie importante des ordures ménagères produites par la CUM. Nous, on n'est pas contre le fait de traiter les ordures ménagères de la ville de Marseille, une partie dans tous les cas, mais qu'on nous laisse au moins le choix de la technique à employer. Il a qu'à se le garder chez lui. Qui ça? Godet. Non, non, ça, ça va. Vous n'en voulez pas à Fosse? Ah non, non, pas du tout. Hein. Vous pensez qu'on peut trouver un Fosséen qui soutienne ce projet? Je pense pas. Une personne consciente, je crois pas, non? En tous les cas, consciente du méfait de la dioxine, je crois pas. Viens d'en voter, non. Non, à l'incinérateur. Crazy que quand même Fosse a donné sa quota part, crazy quand même. Faut pas être ainsi, hein. Un incinérateur sur la commune des Fosses, et je ne suis pas d'accord. Ben, ben pagan, on se cote pas quand même. Trafic, mais sinon, oui, on s'entend parler dans les jardins et tout ça, pour les maisons qui sont collées à la voie rapide. C'est quand même mieux qu'avant, hein. C'est mieux que ce qu'il y avait. Hein. Donc, le mur il est propre, ça fait beaucoup plus joli qu'avant. On peut dormir les fenêtres ouvertes, on peut être dehors et pouvoir se parler sans hurler. Oui, il est joli, bon, tout le monde avait fait un peu n'importe quoi avant. Bon, ça ne faisait pas propre. Maintenant, bon, on a l'impression d'être plus chez nous. On est de ce côté-là, c'est réussi. Permet aussi d'accueillir nos collègues du comité feu qui étaient un petit peu à l'extérieur et qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour remiser leur véhicule notamment, et ni non plus une équipe de vestiaire. Donc là, alors on résout le problème, ils vont avoir des locaux tout en état indépendant, proches des nôtres et qui aussi seront confortables. On aura tout ce qu'il faut sous la main, c'est-à-dire un endroit pour mettre les véhicules, un bureau pour mettre tout, classer tous nos archives. Avec tout ce qu'il faut. Ah oui, c'est adapté à notre. Un lieu agréable, bien lumineux, oui. Apparemment. Oui, oui. 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 Une bonne ambiance de travail, ah oui. Également, apparemment. Ah oui. Ah oui. Tu viens qu'ils
sont effectuées et des traçabilités rappelées à la semaine. Et c'est de la de nettoyage quand même assez strict par rapport à l'utilisation du matériel. Et régulièrement, une fois tous les trimestres, oui, c'est une audit d'hygiène qui est fait par une société, par un laboratoire qui vient faire des prélèvements de surface. Qui sont analysés, qui nous sont envoyés, qui sont archivés, mm-hmm. qui servent de preuve aussi, ouais. encore de la traçabilité. C'est-à-dire, nous, on a des variations, on va dire, de transport, ça va un quart d'heure le premier site, et tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'en trois quarts d'heure, au grand maximum, tout est distribué. C'est chaud. C'est T'aimes bien? Ouais. Qu'est-ce que t'aurais d'autre à me dire? Ah, je suis célibataire. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir,
saurais toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.